Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de War Hospital. On se relance sur le DLC Marie Curie, on est toujours en live. Alors on a eu des bugs que vous n'avez pas vus parce que je ne vous les montre pas. Mais du coup, j'espère que cette tentative va fonctionner. On l'a fait sérieux, on n'a pas une minute à perdre, on va commencer par choisir les affectations. Donc toi tu préféreras ne pas travailler au poste d'évacuation sanitaire, toi tu préfères le cimetière, tu préfères le cimetière, parfait. Tu vas là. Toi tu vas là, et les autres, pas de préférence, pas de préférence, pas de préférence, pas de préférence, pas de préférence. Fantastique. Et quoi quoi, Xikino? Alors, tu préférerais ne pas travailler là, à tes ordres. Toi tu préférerais travailler au centre de rééducation, pourquoi pas. Toi tu préférerais ne pas travailler aux ailes opératoires, pourquoi pas. Toi tu préférerais travailler au PES. Faisons ça. Alors il faut qu'on optimise hein, le moindre pet de morale. Ok. Les ingénieurs. T'as une impression de déjà vu. Ah, tu préfères les gifs silencieux, Ikino? Bah justement, on savait pas quoi mettre comme son sur celui-là. Mais je pense que c'est une préférence qui dépend des gens. Hein. Mazamara tout à l'heure, ça le faisait bien marrer. Alors toi tu préférais ne pas travailler au dépôt d'ingénierie. Bah écoute, vas-y. Ok, bon on va pas lancer les améliorations tout de suite, de toute façon elles se font assez C'est vite, c'était les l'heure améliorations qui buguaient du tout à l'heure. goûter. On va par contre directement lancer des opérations. Hop, 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 c'est parti. Là, en avant. Plus vite ils sortent, plus vite ils sont rééduqués. Allez, c'est parti. Days of continuous attack. Are we even able to hold that long? We will try. Just focus we will on try. Major Wells. My boys and I will hold the line. Okay. Nurses reached the hospital. On est parti. Sir, new patient arrived. Si ça plaît, pourquoi pas, mais t'es pas sûr d'aimer plus que ça les nouveaux gifs. Bah écoute, ouais, c'est quoi ça là? Vous êtes qui vous? Je les ai pas vus tout à l'heure. c'est pas obligé de les utiliser, hein. C'est vraiment pour le plaisir d'avoir des petits trucs pour dépenser des points, mais il y a absolument rien d'obligatoire à l'utiliser. Ok, on va lancer les améliorations. Donc on a dit, on fait. Alors le truc des postes de secours, est-ce que c'est vraiment utile? Non, je pense que c'est pas utile. Le garage, ce serait bien. On a 10, avec 10 on peut faire ça. Ah, on peut pas faire ça, fuck. On peut faire ça et ça. L'hébergement, ça coûte combien? 3. On peut faire l'hébergement et l'ambulance. Ouais, l'ambulance, je pense qu'elle peut vraiment nous sauver la peau. Ok, ça fonctionne, ça bug pas, excellent. Le truc de... Ah, on peut faire la rééducation. Hein. C'est une association de randonneurs, ouais, c'est ça, exactement, Falsag. Ils se baladent sur le front, ils font des visites guidées et tout. Non mais je les ai pas fait gaffe, mais ça se trouve, ils ont dû forcément passer tout à l'heure aussi, hein, mais... C'est genre les mecs, ils ont été rappelés, ils nous quittent et ils vont où? Voilà. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bailey Barand, c'est le traumato, hein, ouais. Ah mais c'est cool, ça donne un petit peu de vie à la map, hein.
J'ai pas fait les commandes du coup. Embauchons du personnel. On va embaucher donc deux brancardiers, une infirmière, l'éclaireur gratos, et on va garder le reste pour faire le médecin dès qu'on peut. Oui, ils vont se barrer, je pense. Et salut, Sœur Madness, bienvenue sur le live. Ça faisait longtemps que t'avais pas vu ici. J'espère que tu vas bien. Tu viens donner des clés. Alors, si jamais vous cherchez des jeux à jouer, Sœur Madness a plein de clés pour vous. Il faut aller sur son Discord si tu veux balancer le lien de ton Discord, Sœur Madness. Fais-toi plaisir. C'est les troupes de la tranchée qu'on enlève pour les envoyer ailleurs. Bah, je pense que c'est un peu ça que c'est censé représenter, ouais. C'est genre, on a besoin d'aller ailleurs, on les embarque, et puis toi, démerde-toi, quoi. Ah, un patient grave à 3 chevrons. Alors, où est-ce qu'on est? 4h, 4h, 2h, ok, il va là. Toi, t'es parti pour bosser également. Et ici, bon, on va les mettre à la suite, pas de soucis. Là, on a un 3 chevrons stable. On va mettre après celui-là. Le reste c'est du 1 chevron ou du 2 chevron, donc pour le moment on va le mettre là, mais pas d'urgence. Et on a un event. Ils estiment le travail le plus difficile à l'hôpital et mériter de l'alcool et de meilleures rations. Euh, 64 de bouffe et 20 d'alcool, ouais, on peut se permettre ça. Pour un petit moral qui va éventuellement faire qu'ils se fatigueront moins et qu'ils bosseront mieux. On peut se permettre. J'aurais préféré avoir l'événement qui fait que si on envoyait des soldats, on avait des autorisations de recrutement, mais bon. Comme ça. Allez. On regarde ce qu'on nous propose. Un mec grave, ok. Non, c'est bon, ils font des bons jets. Très bon ça. Ah, et on a vidé le train déjà. On a un stable à 3 chevrons ici. Vas-y, viens là. Stable à 2 chevrons. Ici, on n'a rien rentré d'autre intéressant. Là, on a un triple. Là. C'est parti. Et ici, on va voir comment on gère. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mais tu peux peut-être poster des liens, Sœur Madness. T'aurais préféré un event où les Allemands font la grève et n'attaqueront pas la prochaine fois. Alors oui, c'est vrai que vu comme ça, c'est plutôt souhaitable. Ouais. Je suis d'accord. Ça se prend carrément. Ok, première opération réussie. C'est avant même la première attaque. Avec un peu de bol, il va se rétablir vite. Il va falloir qu'on en envoie un max là-bas. Tac tac tac. Allez, on enchaîne là. On enchaîne. Ici, on n'a pas encore terminé de bosser, non. Puis on est loin dans la campagne à ce niveau. Alors là, Sœur Madness, je fais le chapitre bonus, le chapitre de la supporter édition. Qui est achetable, hein, avec un petit bonus, une petite réduc si vous voulez, avec le lien qui sera dans la description. Mais j'ai terminé la campagne officielle en fait, et là on fait ce chapitre, et ce chapitre il est carrément gratiné. C'est la troisième fois qu'on le réessaye, si on compte pas les bugs. Alors, qu'est-ce qu'on a rentré? Un seul chevron là, ok, bon, vas-y, enchaîne. Hein. Ici on a un double chevron, passe devant. Et là, en stable, on a toujours que des deux. Donc déjà, on va essayer de dépiler ça avant que ça parte trop en sucette, si on peut. Oh, 13 heures, vous êtes sérieux, dans 13 heures, quoi. Purée. Un groupe de reconnaissance alliés se trouve dans le parage. Le QG nous demande de les examiner rapidement. Rien qu'une infirmière ne saurait faire. Si nous les aidons, ils enverront des autorisations. 12h, il est 15h. On va prendre une de celles de nuit. Hop. Normalement, on a notre renfort qui devrait arriver dans pas longtemps.
Ok, on a terminé une construction. Octave, faut faire de la bouffe. Faire du médoc. Un événement pourri. Fouillons les archives avec une autre infirmière. Vas-y, hop. Boss. Bon, on va prendre quelques dégâts, mais on devrait pouvoir gérer. Cette fois, on fait gaffe qu'ils soient pas en 12 heures, les mecs. Ouais, wounded soldier. Bien sûr, bah, merci de me l'apprendre. Puis alors vous, vous préféreriez travailler au cimetière? Ah mais non, mais c'est déjà plein, je peux pas en mettre plus. On reste avec 3 ici. Allez, on reste avec 3 ici. On va voir si ça suffit. Bougez-vous les fesses, vous êtes en 24 heures. Ouais, en 24 heures, parfait. S'ils sont en 24 heures, si on peut les mettre en 12 heures, ouais, on va les mettre en 24 heures. Pas de raison qu'il y en ait qui se touchent pendant que les autres bossent, hein. Allez, courez les gars. Nos fiers soldats n'attendent que vous. On a 21 mecs ici. Stab. Ah, c'est chaud. Ce qu'on va pouvoir faire sans l'amélioration là qui fait qu'il se déprécie moins vite, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas certain. Allez, on en sort un deuxième. Remettez-en un sur la table direct, les gars. Merci. Du coup, vous là, vous passez en 24 heures. 8 heures. Alors je le passe hein, parce qu'on a déjà vu. On va lui envoyer des ingés. Vous. Et vous. C'est parti. Excellent. Une petite simplification qui booste le moral, ça fait plaisir. Toi tu fais quoi? Ah oui, tu revenais des tranchées ou je ne sais où. Ils ont terminé le garage, parfait. On va pouvoir traiter nos patients beaucoup plus vite. Donc les opérer beaucoup plus vite, donc les rétablir beaucoup plus vite. Enfin, en tout cas c'est le plan. Par contre du coup, vous glandez pas vous, hein, autre chose à foutre. On va faire un peu de bouffe parce qu'on a quand même pas mal ponctionné dedans. Et du médoc. Sir, operation was successful. Alors, on en est où? Ici ça se dépile. Ici on est sur du stable. Donc pour l'instant, on attend un peu. Hop, mettez-en un autre sur le lit, voilà, on en est où? Ils sont tous épuisés. Une simplification, réhabilitation plus rapide, il n'y a pas de question là. Qu'est-ce qui se passe là? Janet fait irruption dans votre bureau. Major Wells, il n'y a pas de temps à perdre, nous avons trouvé une note de suicide dans les appartements du personnel. Probablement laissée par Bailey Robertson, nous avons besoin de tout le monde pour le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Oh putain. Toutes les unités non affectées seront occupées pendant 4 heures. Oui bah, il n'y en a pas des masses, hein, donc... Ah si, quand même. C'est qui ces gens? Qu'est-ce qui c'est qui ne travaillait pas? Qui ose ne pas travailler? Rechercher la personne disparue. Ah bah oui, c'est mes renforts. C'est les renforts que j'ai commandés. Ouais bon, tant pis, c'est pas très grave. On fera sans eux pendant 4 heures. Tu aimes ce DLC Falsag? Oui, un petit peu de sel, c'est nickel. Quelqu'un entre dans votre bureau. Major Wells, mon supérieur veut que je travaille plus vite.
Mais comme j'essaie de faire mon travail consciencieusement, je ne peux pas suivre le rythme. Pour moi, il vaut mieux faire les choses lentement, mais bien, plutôt que vite et mal. On va essayer d'en savoir plus. C'est qui machin Bélé, là? Le mec qui veut se suicider, là? Il s'appelait Bélé quelque chose, c'est quoi? C'est quelqu'un qu'on peut se permettre de perdre, c'est ça la question. Ah, c'est un des nouveaux brancardiers. Il est parti à la recherche de lui-même. C'était un mec nul, donc à la limite, il peut mourir. Ah, putain. Putain, on a tellement de trucs en même temps. C'est l'enfer. Oh, bordel. Ici, on a deux blessés. Parfait, on va pouvoir charger l'ambulance à la prochaine rotation. Ah, purée. Le moral, ça va être chaud si je le perds. Ah, je sais pas si je perdrai du moral. Bon, là, je pense que si on les met tous en mesure d'urgence, genre quand on sera là, ils auront le temps de sortir, d'aller sur le front et on devrait s'en tirer pour cette attaque. Une simplification. Ah là là, j'espérais une réhabilitation plus rapide, mais non. Malheureusement, c'est raté. Attention au timing pour la mesure d'urgence. Bah ouais, il faut le temps qu'ils aient le temps d'y aller, mais je pense que si je les envoie quand on sera au 21 là, ça le fera. Je pense que ça le fera. On va espérer que ça le fera. Ça le fait pas, de toute façon on aura perdu, hein, je vous le dis. Hein. On récupère une infirmière dans 1 heure. Et là, eux dans 3 heures. Bon, go. Comment ça se passe ici? Ok, il nous charge une ambulance. Parfait. On n'avait pas des gens qui arrivaient, non, ou des trucs. Non, on a juste les blessés. On n'a pas encore ce qu'il faut pour notre médecin bonus. Allez, sortez-les-moi, qu'on voit un peu ce qu'on nous propose. Un mec en grave, un mec en critique, non, un mec en grave. Ok, un chevron grave. De dire que toi, désolé, mais ouais, bah, s'il vous plaît, ouais, mais s'il vous plaît, quoi, t'avais qu'à suivre tes leçons de tir et c'est tout. Voilà, démerde-toi avec ça. Ok, ils emmènent à la main, mais ça doit être terminé là. Ouais, c'est terminé, parfait. Revenez là. Non, toi, t'es le seul qui veut pas revenir là. Tac, tac, en avant. Et toi, ah oui, il y en avait un qui aimait travailler au cimetière, il est où? Il est dans les... Il est dans ceux-là? Bon, bah, passe en 24 heures, toi. Là, on peut les passer en 12 heures, hein. Ceux qui sont épuisés, ils vont se reposer. Par contre, j'en voudrais 4 la journée. Donc on va envoyer toi dormir. Alors, une personne qui se prétend comme étant le superviseur de Levy Cook, qui vous a rendu visite quelques heures plus tôt, s'assoit en face de vous. Avec tout le respect que je vous dois, je pense qu'il a abusé de votre confiance. La vérité, c'est qu'il tire au flanc, et je crois que c'est parce qu'il a toujours quelqu'un pour faire le travail à sa place. Une fois, j'ai observé comment il travaillait sans assistance, et allait bien plus vite sans pour autant sacrifier la qualité. Je pense que nous pourrions lui demander de travailler sans assistance et voir le résultat. D'ailleurs, je sais déjà quel travail lui confier. On va le faire travailler sans assistance. Non, je sais pas qui c'est, Levis Cook. Ah, c'est qui? Putain, quel enfer. Levis Cook, qui tu es? Je ne sais pas. C'est forcément un mec. Mais dis pas que c'est un médecin. Non. Non, c'est pas un médecin. Ici, on a un mec critique qu'on pourrait mettre après cette opération de 2 heures, par exemple. Et toi, t'es grave. Alors, là, c'est 5 heures et c'est 6 heures, mais lesquelles se terminent en premier? Il y en a une qui est bientôt terminée. Celle-là. Plutôt celle-là.
Ah, lui, il a fini bientôt. Lui, il a fini. Donc, on peut le mettre ici. Ah, par contre, je vais vous faire bosser jusqu'à ce que vous soyez sur les rotules. Hein. Je suis désolé, mais... Niveau médoc, c'est juste, mais ça tient. Ouais, on va balancer les mesures d'urgence. On envoie eux. On passe en juste en comme ça. Bah, on envoie eux aussi du coup. Oh bah ça va, hyper large. Franchement, pourquoi on se fait chier? Bon, ok, on va passer cette attaque, mais il y a des grandes chances qu'ils reviennent et que là ça se casse la gueule du coup. Faut pas imaginer. Waouh, wow, là, putain, le changement de carte, comment il a fait mal aux fesses là. Pourquoi t'es parti? Qu'est-ce que tu fous? Viens bosser. Non. Là. Ah, c'était lui le tir au flanc qui travaillait en solo, d'accord. Pourquoi? Pourquoi le fuck? Putain. Sérieux là? Facile en fait. Ouais, en fait, c'est fallait juste avoir le bon concept, c'est bon. Putain, ils sont tous passés en grave d'un coup quoi. Bon, toi non, toi non, toi non. Déjà, voilà. Toi, je t'accorde le bénéfice du doute. Si jamais il y a des décès, on verra. Là, il va falloir passer sur ça du coup. Toi ici, 2 heures. Là, on va te mettre là, toi. Non, tu meurs sinon. Ouais, on commence juste l'opération là, donc en fait, y a aucun grave qui survivrait. Puis là, j'y crois pas trop non plus, hein, parce que là, c'est pareil, on a 2 heures, même si on la termine, après ça fait 6 heures. Lui, ça fait 6 heures comme là, quoi. Bon, bah, on va faire au mieux, hein. On va faire au mieux. On a encore un blessé là-bas. Ah, ceux qui sont en train de terminer leur boulot. Il va revenir, il est chargé dans l'ambulance et on fera le tri. Et ici on en a rentré un nouveau. Allez, c'est parti. Ah, on a eu un recalcul. Ça va un peu moins bien se passer que prévu. Un ratio de 1 pour 1 serait pas mal. Alors un ratio de 1 pour 1 à quel niveau, dis-moi? Ouais, voilà, là ils vont crever. On va voir quand ils seront lancés. Toi t'es en bon. Je voulais regarder un truc. Oui, les améliorations qu'on va faire. Il nous faut ça. Pour 2. Ouais. Et sinon ça. Pour 4. Ouais, 4. Il faut qu'on vise le 4. Ok, visons le 4. Un mort pour un sauvé. Ah oui. Oui, ça serait un ratio. Ouais. Ça me satisfait pas, je vais pas dire le contraire, mais c'est pas. On est d'accord que. Y a pas de miracle, quoi. Bon, vas-y, toi enchaîne. Toi, tu iras dormir après ça, de toute façon. Tac, tac, tac. On en est où des événements? Là, on va récupérer plein de monde dans 40 minutes. Nos mecs, ils courent un peu partout. Ils sont que de la nuit, hein. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Ah non, on a perdu un mec pendant l'opération, la loose. Allez, hop, hop, c'est parti. Putain, la vache, le mec il y arrive mais dans 2 attaques d'avance quoi. Rien de les OP, ils vont tous mourir. Bah là, ouais, je pense que nos mecs sont trop... On n'a pas assez d'infirmiers. Bon, je pense, ok, on va passer en 24 heures et on les fera se reposer à la main. Quand ils commenceront à être vraiment fatigués, parce que là c'est trop la merde. On peut pas faire, on peut pas gérer. Il faut que nos infirmiers soient beaucoup plus rapides que ça. Enfin, nos brancardiers, pardon. Allez, chargez-les-moi sur les tables là, parce que. C'est la merde. Ah putain. Ouais.
Ouais. Très bien. On a récupéré nos renforts. Alors. Ah oui, là faut qu'on repasse en 12 heures. Là. C'est la merde sinon. Non, on n'a pas encore récupéré nos renforts. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. Tac tac tac. On n'a pas eu la pop-up d'événement encore. Bon, très bien. Alors, voilà, ça s'est recalculé. On va essayer d'enchaîner 3h, 3h, 6h, ça sera forcément plus court. Lui, 2h, 3h, c'est un double chevron. Avec un peu de bol, on pourra sauver lui. Lui, j'y crois pas. Là, on est bien. Non, ouais, c'est la fatigue, là. Extrêmement épuisé, tu vas dormir. Les infirmières, elle est juste épuisée, donc tu tiens le coup. L'appareil, c'est juste épuisé. J'espère qu'il va pas bugger l'événement de la personne disparue là, parce que si on a tous nos mecs qui restent coincés, ça va être gênant. On va pas se mentir. J'ai l'impression qu'il y a quand même des bugs hein, sur ce chapitre. Hein. Plus que ce qu'on avait l'habitude de voir, on va dire. Ah, une simplification. Opération plus simple. Parfait, ça me convient tout à fait. Au niveau de là, là. Y a toujours rien. Allez, tu me réussis cette opération. Et ça pardonne tout. Ah oui, une réhabilitation de moins 16 heures, ça c'est bon ça. Parfait. On en est où là? Ils enchaînent. Très bien. Et maintenant que nos infirmières sont là, ça va mieux pour les patients graves. Le tir au flanc, il fait sa vie. Lui, ok. Les premiers soins, ok. J'ai l'impression qu'on est niqué avec ça. C'est tellement abusé. Oh non, les bugs qui t'enfoncent quoi. Ah, une complication, on n'a pas ça. On sacrifie la vue du patient. Ah, bah, faisons ça. Tant pis. Alors ici. On va essayer de générer un petit peu de lettres. Ce serait vraiment dommage si c'est un bug. Bah ouais, je suis d'accord, mais bon, bah, c'est comme ça, hein. On va attendre un peu que les événements se dépilent. Et si vraiment ils se débloquent pas, on essaiera de recharger. On a toujours pas assez de médicaments. S'ils en sont où, épuisés en rouge. Les envoie dormir un peu, alors il fait bosser là. Ici, extrêmement épuisé, mais elle se repose, soit t'es toute seule. Si, tienne. Au cœur de la nuit, on va se permettre une vitesse 2. J'aurais peut-être pas dû. Go. Et c'est tout. Les Allemands attaquent. Bon, on va passer à la deuxième attaque.
normalement. On est en bleu, donc il devrait même pas rentrer dans nos tranchées si tout va bien. Parfait. Voilà, on a réussi à les arrêter avant. En fait, c'est pas que c'était des nouvelles animations du DLC, les trucs, c'est juste que j'avais jamais vu les animations pas du DLC. Ah, je peux pas me permettre de les enlever, hein, c'est pas possible. Mais tu as des 3 chevrons dans la liste d'attente, je trouve que tu fais trop d'humanisme. Ouais, mais ils sont bons. Il n'y a pas qu'il faut déconner quand même. Ouais, alors là, bon, on va voir s'il y arrive, mais ça sent le pâté. Est-ce que vous allez vous? Ah oui, vous videz le. Il n'y a plus personne là? Il n'y a plus personne, ok, très bien. J'acquiesce. Ça change pas grand chose hein, qu'ils soient dans la file d'attente ou pas au final. Hein. C'est, si c'est des 2 ou des 3 chevrons qui sont aussi. Qui sont aussi prêts. Alors là, on perd pas de temps. Critique, lui on va tenter. Eux j'y crois pas, mais bon. Ouais, non, c'est mort, je pense que c'est mort. On va. De toute façon, il faut qu'ils aillent se reposer là. Tu iras te reposer après ça, toi. Puis au lever, t'enchaîneras sur un bon. À 3 chevrons, toi pareil. Toi, tu iras dormir après celui-là. Après un 3 chevrons, en espérant que ça dégénère pas trop. Et du coup, on va attendre qu'ils aient terminé cette opération là. Et quand celui-là sera sur la table, on enverra les infirmières dormir là. Espérant qu'elles aient pas cédé d'ici là. Ah, Curie. Madame Curie et sa voiture pourraient contribuer aux opérations dans l'hôpital. Si nous lui fournissons les ressources nécessaires, elle pourra se servir de sa machine à rayon X pour veiller au bon déroulement de nos opérations. Moins une lettre de change. On n'a pas la lettre, mais ça a l'air d'avoir gêné. On a peut-être 3 heures pour la voir. Est-ce que c'est faisable? Ouais, vite fait quand même. Hein. Vite fait quand même. Là, on en a un qui sort dans 3h13. On va le mettre là. Et en échange, on va prendre celui-là. Avec un peu de bol, ça va passer, on va voir. Le truc qui te demande des lettres alors que t'es déjà dans la merde, quoi. Au secours. Au secours, ce DLC. Ah, on a eu nos autorisations, on peut recruter. Alors, pas des ressources, notre traumato. Et un brancardier de plus, du coup. Hein. Hop, est-ce qu'ils sont débloqués, nos mecs? Alors, lui, il a tiré au flanc, mais... La personne disparue là, j'ai l'impression qu'on est niqué. Hein. Toi, viens là, remplace celle-là. On va faire une rotation ici. Tout le monde est de retour. En avant, de la bouffe, parce qu'on n'a pas des masses de la bouffe. Un petit peu d'alcool, un petit peu de là. Et merci beaucoup d'être passé, Moïsis. J'espère que ça t'a plu. Passe une bonne soirée. Mais ce DLC, c'est tout en what the fuck. Tu es sûr que si t'as pas quelque chose, c'est ça qu'il va te demander. C'est un peu ça, ouais. Effectivement. Heures, purée. Ah, y a un petit instant de calme là. Bon, par contre, réhabilitation plus rapide, clairement. On va faire une sauvegarde et on va voir si on peut débloquer cet événement pété là.
Parce que c'est un peu gênant, donc je fais un petit noir, excusez-moi, je suis toujours là, voilà, on repart. On repart, on repart, on repart. Hop, hop. Tac, 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 chargé. C'est parti. Bon, ils sont toujours en recherche. On va voir s'ils se débloquent tout seuls. Sinon, on aura quand même perdu des ressources assez critiques. Et on a quoi? Un mec ici, une infirmière. Et on perd un brancardier et une infirmière. C'est pas... C'est chiant, c'est pas insurmontable. C'est juste chiant. Là, ça commence à être critique par contre. Il va peut-être falloir qu'on fasse l'amélioration pour que ça aille plus vite en fait. Ça coûte 3, ça serait faisable. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner. Combien on a de nourriture par jour? 66, il nous en apporte 25 le train. Ouais. C'est pas cool. Hein. Ouais, on va voir si ça passe. Telle mort est-elle vraiment honorable? Alors après, hein, on peut toujours se demander, est-ce qu'une mort peut être honorable? Ils en sont où? Ils sont dans les tranchées toujours. Allez, on a deux opérations qui réussissent là. Nickel. Excellent, parfait. Très bon boulot. Est-ce que ça change nos files d'attente? Non, lui va se reposer. Vas-y. C'est mérité. Dans 1h30, ça devrait le faire. Alors après, ça c'est peut-être juste que c'est en train d'agir, hein, et ça a marché parce qu'il nous a pas, il nous a pas vraiment décompté la lettre. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Réduction du coût, non, on réduit la difficulté. Clairement. On n'a plus personne en traumato et plus personne ici. Ouais, il nous reste juste du monde là. Ça se dépile petit à petit, c'est plus compliqué. Bon après on va commencer à avoir les tranchées qui arrivent. Ça va aussi jouer. Ok, un mec stable qui est là. On va voir si on peut le traiter après la sieste, n'est-ce pas? Alors, les opérations. Ouh, on en a un qui sort dans 50 minutes. Ah non, c'est lui. Ok. Un chevron. Ouais, bah écoute, on va te mettre là quand même. L'opération réussie, très bien. Ah, le poste de secours, il fait avec ce qu'on lui donne, hein. Et puis c'est tout. Ça suffit un peu. Allez, vous m'enchaînez là. On va sauver le mec qui était en état critique, et ça c'est beau. Ou alors on va passer 6 heures à l'opérer et il va crever quand même. Ça, c'est un autre problème. Alors, tu vois, pour l'instant, mes choix n'ont pas été trop humanitaires. Enfin, le SAG, on s'en sort de justesse quoi. Attends, il est pas sorti encore, hein, exactement. T'as repéré lequel c'était, c'est lui là. Alors, instable, un chevron, il va attendre. Lui, il est en bon, donc on va pas le lever pour ça. On va enchaîner ici plutôt. Au niveau de la fatigue, extrêmement épuisé. Ah toi, t'es proche de l'effondrement carrément. Bah va te reposer, hein. C'est pas l'urgence, le cimetière. On n'avait pas un autre qui aimait travailler au cimetière? Ah mais c'est celui qui est coincé. Extrêmement épuisé, vas-y, va te reposer un peu. Les autres ils vont tenir. Toi tu peux faire ta rotation, c'est parti. Et là, ouais, toi tu tiens le coup. Extrêmement épuisé, tu vas dormir. On va mettre lui. Allez, on a des lettres. Ok, donc je pense que ça a marché, il est en cours d'utilisation, on a 3 lettres. 3 lettres, on peut faire ça. Go.
Non, pas toi. Toi, t'es pas nécessaire. Toi, t'es pas urgent. Toi, t'es pas urgent. Faites-moi ça. C'est parti. Au boulot. Heures, purée. Que je foute avec ça, moi. Ah, il nous amène des gens à la main. Ouf. C'est un terminal là, critique à 3 chevrons. Critique à 3 chevrons. Bah, tu te lèves du lit, toi, hein, mon gars. Debout, tu t'en occupes. Grave à un chevron, désolé, mais non. Allez, t'as dormi 2 heures, c'est largement assez. T'auras les mains sûres après ça. Alors. Ah, d'accord, en fait ça se remet en attente et après ça nous le redemande. Ok, allons-y. Si ça aide, en fait on peut s'en servir en boucle. Très bien. Ça me va. Ça me va, ça me va. Est-ce qu'on n'avait pas fait une commande de personnel? Si, hein. Il est arrivé le médecin? Non, j'ai pas commandé le médecin, peut-être. Si, j'ai commandé un médecin. Ah bah, ils arrivent là. Ok. Très bien. Hop là. 10 de médoc pour le critique, tu aimes le risque. Bah écoute, hein, il faut ce qu'il faut, c'était un 3 chevrons. C'était un 3 chevrons, Falsag. Donc, on a notre mec ici, excellent. Et. On a popé un nouveau mec qui va être nul, bien sûr. Il est méchant, parce que voilà. Parce que voilà. Donc faut pas qu'il travaille au poste de secours, on va le foutre au cimetière. Alors c'est plus compliqué. Oui, Chobiti, c'est plus compliqué, ouais. Je pense qu'on peut utiliser ce terme sans trop. Sans trop forcer. Clairement, le DLC là, il. Le chapitre bonus, on a dit, on disait pas Ouais, DLC. le chapitre bonus, il envoie un petit peu cher. Après, ils disent même DLC, hein. Donc, bon, ça reste un content. Si on le traite après, est-ce qu'on en a un qui serait pas extrêmement épuisé? Ouais, toi, vas-y, tente. Bon, par contre, niveau médoc, on va pas voir ce qu'il faut. Ici, est-ce qu'on sort des lettres bientôt? Dans 1 heure de lettres. Hein. 5 heures, 7 heures, 19 minutes. Vas-y, va là, toi. On va devoir commander à commander. On va devoir commencer à commander. On a du patient qui arrive, mais ils sont en bon. C'est cool. Ouais, médicaments insuffisants, ça y est, pour qui? Personne pour le moment. Excellent. Ceux qui arrivent, ils sont pas critiques. Ni terminal, ni quoi que ce soit de chiant. On va donc pouvoir temporiser le temps de refaire des stocks. Commander un peu de comme ça. Hein, parce que voilà, on en commande 5. C'est déjà pas mal. Une opération plus facile. Parfait. La madame, elle nous facilite juste les opérations tant qu'elle est là et qu'on la paye. Bon, on a quelques trucs d'avance. Là-bas, c'est régéré. Toi, faut que t'arrêtes de faire n'importe quoi. Toi, reviens bosser, ça fera de l'XP. Toi, va dormir. Va voir ce foutu train qui va arriver là. À quelle heure? 9h36, donc pas longtemps. Et celui-là, un blessé, ça doit être un VIP, ça. Ouais. Bon, notre morale là, c'est tendu. Hein. Attends, tu dis quoi? Tu peux regarder le médecin vert. Le médecin vert? Ce médecin-là? Lui, il se repose et lui, il va aller se reposer après. Je sais pas ce que t'as vu, mais c'était pas un événement. Voilà, tout va bien. Tout va bien, Falsag. Pas de stress.
une opération plus facile, je prends. On va garder la lettre de change pour elle. Sachant qu'à 200 de ressources, ça picote, hein. Si on a toujours rien dans les coins. Non. Ah, alors, est-ce que c'est un truc qui se débloque là? Note de suicide, les conséquences. Nous avons retrouvé le machin, dit-elle. Nous sommes arrivés juste à temps. Il avait pistolet sur la tempe. Bien sûr, il a besoin de repos, mais il est en vie et c'est tout ce qui compte. Excellent, on gagne du moral et nos gens vont revenir du coup. Parfait, ça s'est débloqué, ça c'est très cool. Au boulot. Au boulot, faites de la bouffe, au boulot. Au boulot. On a récupéré une infirmière. Du coup, go. Go. De vos préférences, soit tu préfères ne pas travailler là. Tu préfères travailler là, vas-y. Toc. Toi, tu vas aller te reposer. Au niveau des ingés, c'est remis. Au niveau des brancardiers. C'est cool, l'événement qui se redébloque là. Ça fait plaisir. Toi, tu es fatigué, va dormir. Je les mets un peu n'importe comment, cela dit là. Tu préférerais travailler au cimetière, t'es de retour. Toi, t'as pas de préférence, viens là. Et toi, tu préfères ne pas travailler au poste de secours. C'est parti. On va essayer de les garder parce qu'on a le bonus que si on les tient 24 heures hein, dans leur rôle. Donc on va essayer de les garder bien calés à leur emplacement qui va bien si on peut, bien sûr. Un autre événement. Ça a marché, le Vic Cook travaille enfin à plein régime, dit son supérieur en sirotant son café dans votre bureau. C'est une bonne chose que nous ayons discuté, Major Well, et que ça ait porté ses fruits. On gagne une autorisation de recrutement, très bien ça. Très bien, je pense que ça y est, on commence à avoir notre rythme. On a juste notre petit problème de médoc, mais vu que nos médecins vont aller dormir, ça va permettre de produire un peu pendant ce temps-là. On a 3 lettres de change, est-ce qu'on peut lancer une fabrication intéressante? Réduit le coût de production, on s'en fout totalement, ça c'est pas le sujet. On pourrait faire ça, mais il se repose globalement assez vite. On pourrait faire ça. Ou ça. Ou ça. Pour l'instant c'est plutôt là qu'on a besoin de soutien. Ça c'est coûte trop cher. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, on va faire ça. Ça me plaît pour deux raisons, parce que ça coûte que 2, donc on garde une lettre de change pour les besoins. Et parce que ça va carrément aider notre poste de secours. Allez, c'est parti pour la saloperie, qu'est-ce que vous foutez vous? Il y a des gens à aller chercher là. Réhabilitation plus rapide. Ok, on rentre du stable. Pour l'instant, on rentre personne ici. Un autre événement. Quelqu'un frappe à la porte de votre bureau et entre. Major Wells, je travaille avec Archie Matthew et il m'agace. Il passe son temps à raconter à quel point notre travail est important, mais travaille beaucoup moins au final, ça me tape sur les nerfs. La colère monte progressivement dans sa voix, puis retombe. Excusez-moi, mais pourriez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît? Alors, Archie se concentre sur son travail... Ou alors, Archie se concentre sur des façons d'améliorer la productivité. On va faire ça. Je ne sais pas qui est Archie, mais ça suffit de s'appeler le moral des troupes. Je le fusillerai, moi. Il y en a un qui glande, préférerait ne pas travailler au poste de secours. Je sais pas qui c'est. C'est un peu le problème, c'est que je sais pas qui c'est. Le caractère des gens est pris en compte. Ouais, mais globalement, le DLC, mis à part les bugs, là, il est plutôt qualitatif. Hein. Franchement, je trouve sympa. Il va quand même falloir qu'on fasse les améliorations parce que lui il se repose pas quoi par exemple. Alors avec un truc on pourrait prendre un brancardier en plus mais on n'a pas ce qu'il faut, on n'a pas la place. Donc ce serait bien qu'on génère un petit peu de lettres de change là, si on peut. Allô ? Ok, ça doit être celui qui est aveugle.
peux rien faire pour lui du coup. Alors, voyons voir, on attend ces deux-là. On commence à en avoir qui courent plus vite que d'autres, ça c'est cool. Oh la vache. Ah, quel enfer. Allez, au taf. On a trois chevrons ici stables. Vous pouvez pas me rentrer d'autres patients que de la chirurgie, s'il vous plaît, quoi. Sérieusement. Waouh, c'est tendu. Peut-être dû prendre l'amélioration de la chirurgie en fait. Il arrive quand notre train de ressources à 11h30. Ok, on va bientôt refaire les stocks là parce que c'est un petit peu chaud. On arrive quand même à faire un petit peu de stock de. Bon, je dis ça, mais voilà. Notre train qui arrive avec notre commande, toujours ça de prix. Eux ils sont buggés, mais le problème c'est que c'est impossible de savoir qui c'est. Ce qui veut dire qu'on va passer en. Comme ça, pour forcer ceux qui sont. En train de pas bosser à aller dormir. Il faudrait une amélioration pour donner aux médecins qui foutent rien de faire d'autres types d'OP. Ouais, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, mais malheureusement, c'est pas le sujet. Ça fait partie du délire du jeu, on va dire. Et là c'est pareil, c'est bugué. Ah non, ok, c'est parce que j'avais. Ah mais j'avais zoomé dessus en fait, comme un con. Allez, dehors, dehors. Là on peut relancer le véhicule et effectivement ça demande pas de lettre de change, hein. Ça doit être un petit bug avec les accolades là, ça sous-entend qu'il y avait un truc qui déconnait. Du coup, eux ils ont pas été dormir ou est-ce qu'ils font partie de ceux qui ne dorment pas? C'est la question. Un double chevron, tu vas aller là. T'es que épuisé. Vas-y, traite-moi ça. Traite-moi ça, non, je peux pas. Combien de médocs toi? 10, ouais bah non du coup. Non, il faut, faut savoir faire des sacrifices des fois. Est-ce qu'on peut reculer un peu? Oui, bon, ça c'est un bug je pense. D'affichage parce que je vois pas à quel moment ça va le foutre dans la merde. Non, ils sont déjà extrêmement épuisés, faut pas que je fasse le con. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on a rentré? Ah, là on a rentré un truc. Vas-y, go. Un triple chevron stable. Et en fait, là je pense que le truc c'est que lui est tellement épuisé. Ah, il est proche de l'effondrement, ouais. Ouais, donc si je le force à faire cette opération là, il va dormir pendant 24 heures, donc lui va crever en fait. C'est pour ça. Si je le mets là, ouais. Si je tente ça, non, ils meurent tous les deux. C'est un triple chevron, donc il passe devant, désolé mec. C'est une petite opération pas fatigante, peut-être qu'il pourra s'en occuper là. Non, il va être extrêmement épuisé. Peut-être qu'il pourra s'en occuper en étant extrêmement épuisé. Forcément, s'il dort en opérant, le patient peut mourir. Oui, c'est une probabilité qui n'est pas totalement négligeable, on est d'accord. Hein. Tellement de monde. Oh la vache. Tellement de monde. Ça coûterait combien? Deux emplacements de plus. 8. Ah, 8, c'est cher. Hein. Sinon, on pourrait les amputer, mais franchement... Ouais. Ouais. Notre morale, c'est pas trop ça non plus, hein. De rien. Ah, mais en fait, eux, c'est pas qu'ils vont. Il n'y a pas qu'il y en a qui vont plus vite, c'est que eux vont particulièrement lentement. Eux ils sont toujours buggés. On va donc inverser. Voir si ça les débloque. Non. Oh, fait chier. C'est pas cool ça. Le docteur attend une affectation, mais on est d'accord qu'il n'y a personne d'autre.
Allez. Bon, de toute façon, on va y avoir une attaque, donc tout le monde va aller bosser. Ah, on a notre patient en fauteuil roulant magique là. Une simplification, opération plus rapide, excellent. C'est qui? C'est une chirurgie. Doublement excellent. C'est lui. Parfait, il n'a pas encore besoin de dormir. Tu vas tenter de soigner lui avant d'aller dormir. T'es extrêmement épuisé. Oh là là, on a un triple chevron grave là. Mais qu'est-ce que j'y fasse moi? Ça dégénère trop vite là. Ça dégénère beaucoup trop vite avec ces foutues opérations à 3 là. Ouais, jamais il va passer lui. On va te mettre là, tant pis. Ça c'est une opération. C'est pareil, c'est des blessures qui dégénèrent vite. Ah, tu dis quoi, Falsac? Dis-toi que pour l'instant, mais avec plus de médecins, t'as pas les médocs pour les soigner. Ah, t'es bien, t'es positif, toi. T'es du genre positif. Alors pour l'instant, c'est que des... Bon, ils me font chier les deux qui sont coincés là. C'est que des... Mais c'est qui ces gens? C'est lui là, ça se trouve c'est lui là, il veut pas aller dormir. Bon, ok, on va tester de tous les enlever pour voir. Ok, donc visiblement on en a un qui est buggé, très bien. Et ben on va faire avec. Toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas là, toi tu vas ici. Toi tu préférerais ne pas travailler là, donc va ici. Là, tu vas là. Toi tu vas là, toi tu vas ici. Toi tu vas ici. Toi tu préfères travailler au cimetière. Toi tu vas là. Et il est où mon autre qui aimerait travailler au cimetière? Ah, il est là. Hop. Reboot. Ouais, mais de toute façon on va arrêter l'épisode de VOD là. Juste au début de cette attaque. Enfin, ou à la fin de cette attaque, ça dépend comment on voit les choses. Bon, bah on a réussi finalement à trouver, il fallait utiliser la petite mesure d'urgence pour la première attaque et après on arrive maintenant à prendre notre rythme, même si c'est clairement pas simple. J'espère que cet épisode vous aura plu, c'est un peu plus une réussite que le précédent, on va dire. Mais alors c'est clair qu'il est tendu hein, le chapitre là. Hein. Pouh la vache, c'est tellement chaud. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé, et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.